Avez-vous déjà voulu avoir votre propre serveur musical? Vous savez, c'est toute votre musique dans le cloud, dans le nuage, et que vous pouvez écouter, télécharger sur votre iPhone, votre Android, votre PC, votre Mac, votre tablette, c'est-à-dire sur n'importe quel de vos appareils multimédia et dans le monde entier. C'est-à-dire que votre musique entière que vous possédez est sur un serveur et via Internet, vous pouvez y accéder n'importe où dans le monde entier. C'est comme Google Play Music, c'est comme Apple Music, Spotify, Deezer. Seulement là, je vous propose d'en avoir un qui vous soit propre. Eh bien, voici très rapidement comment faire. Grâce à Super Corben qui nous a balancé ça aujourd'hui, il s'agit de Soundscape. Donc vous voyez ce que c'est très rapidement, c'est un script qui est encapsulé sous forme d'une image Docker que vous allez devoir déployer sur votre serveur. Donc votre serveur, ça peut être votre PC ou votre Mac, mais qui tourne en permanence, d'accord? Sinon, pas moyen d'accéder aux fichiers en ligne, en fichiers qui sont stockés sur votre disque dur. Mais ça peut très bien être un serveur gratuit que vous avez sur différents, je vous laisse chercher sur le net, ou très peu cher, comme chez OVH, par exemple. Et donc, il vous suffira de déployer ce script pour pouvoir ensuite, en un claquement de doigts, comme le dit M. Corben, va avoir votre propre serveur de streaming musical qui va vous permettre de gérer toute votre collection musicale en accès mondial pour vous, bien sûr. Vous pourrez aussi y créer autant de playlists que vous souhaitez, d'accord ? Et donc, Soundscape vous permettra de gérer l'ensemble de votre collection musicale en ligne, qu'elle soit en MP3, stocké sur votre serveur ou sous la forme de vidéo YouTube agrégée dans le système. Donc vous voyez, c'est génial, votre mobile, votre ordinateur, et vous voilà. Ce que je ne sais pas pour l'instant, c'est ce que vous pourrez partager, c'est-à-dire par exemple dire, ben voilà, papa, maman, et les enfants, et les copains, voilà, je vous donne un accès à ma musique.